Là, je suis au supermarché pour acheter des craies. Ouais, j'ai une vie de ouf. Du coup, je prends un caddie. Bon, j'avais pas besoin d'un caddie juste pour une craie, mais comme j'ai pas le permis, c'est un des seuls trucs que je peux conduire, du coup j'en profite quoi. Alors, je conduis tranquille, et là je fais un stop aux fruits et légumes. Je mange pas assez de trucs sans viande, genre les radis, les carottes, ou le... l'herbe. Wow, c'est quoi ça? Alors lui, dans le coma, c'est sûr, hein. Carrément, c'est un légume-légume, quoi. Et là, je vois des tomates cerises. Et je me dis que ce serait chambé d'avoir des cerises de la taille d'une tomate. Des cerises tomates, quoi. Et les gens, ils diraient... Non, mais attends, madame ne connaît pas la cerise tomate? Non, je connais pas. Non, mais attends, elle vit dans une grotte. La cerise tomate, c'est super. On ne mange que ça au dîner maintenant, tu sais. Bon, du coup, je continue ma route. Les craies, vont pas s'acheter toutes seules, hein. Alors j'avance, mais je trouve pas trop. Putain, c'est mal indiqué, hein. Vas-y, il est où le rayon craie, là? Et là, j'entends une annonce. La maman du petit Dimitri l'attend à l'accueil. La maman du petit Dimitri l'attend à l'accueil. Waouh, le pauvre Dimitri. Moi, j'avais trop flippé quand ça m'était arrivé. Maman. Et là, je me dis, tu sais quoi? Je vais le retrouver. Allez, c'est parti. Alors je me pose la question, moi je suis un enfant, j'irai où? Lire une connerie? Réviser mon permis? Ou essayer ma nouvelle cachette? Ouais non, non en fait c'est logique, j'irai voir les animaux. Alors bim, je me retrouve au rayon animal, je check vitef mais je vois pas trop d'enfants seuls quoi, il y avait juste plein de poissons décédés. Et sur le moment ça m'a rendu un peu triste, ça m'a fait penser à mon poisson Karl, j'espère qu'il finira jamais comme ça. Oh, je l'aime trop. Sa mère, je le déteste tellement putain, avec sa plante en plastique de merde là, pollueur. De toute façon, je m'en parle les steaks, mon plan d'évasion, il est carré, tout est prévu là. Ok, je récapitule. Ce soir, il rentre, je fais Georges Monod. Oh, j'ai pas pied, au secours. Je le feinte, il me sort du bocal. Là, cet enfoiré, c'est sûr, il va me jeter dans les chiottes. Et hop, je nage jusqu'à la mer, et pouf, c'est la vie d'un loca. Et là, je vais faire la fête avec les espadons, avec les huîtres et tout. Oh là là, là c'est carré. Donc là, je cherche le gosse, quoi. Dimitri. Dimitri. Mais bon, je le trouvais pas quoi. Mais en revanche, j'ai vu un truc marrant. Il y avait une étagère vide avec un prix en dessous. Et je vois un mec à côté de moi. Et là, il y a un truc qui m'est venu. Oh la vache, 1,99€. Eh, c'est pas cher pour du rien. Tocard. Wow, public difficile. Et là, au bout du rayon, qu'est-ce que je vois? Un enfant qui court. Du coup, bah moi normal, je le poursuis quoi. Et là, je le rattrape. Mais je crois que c'était pas Dimitri. Ou alors Dimitri vient de se faire kidnapper par cette femme, mais je crois plutôt que c'était pas Dimitri. Oh là là, putain, mais retrouver un enfant, c'est super compliqué en fait. Quand d'un coup, PAM! Grosse patate du destin. Ça fait mal, mais j'ai capté. Bah ouais, les enfants, ils sont comme moi, ils ont pas d'oseille. Donc il est forcément au rayon promo. Putain, je suis tellement smart. Alors je débraye, je passe la troisième et je fonce. J'arrive à destination et là sur qui je tombe, Dimitri. Alors je le rassure un peu. T'inquiète Dimitri, je suis pas un pervers pédophile. Et là, en plus, juste au-dessus de sa petite tête avec des lunettes, qui je l'espère il ne gardera pas toute sa vie, bim, des craies. Et en promo en plus, alignement des planètes quoi. Alors je prends les craies, je prends l'enfant, je file à l'accueil. Je dépose Dimitros. Merci monsieur. Et puis bah je passe au péage quoi. Opération, je paye les craies quoi. Et là c'est marrant parce qu'à la caisse d'à côté, il y a le mec que j'ai croisé tout à l'heure. Je vais le défoncer hein. Franchement, le mec, je lui ai refait sa journée, je pense. Bip. Alors je me casse et en sortant du magasin, il y a mon pote Félix qui m'appelle. Allô? Ouais mec, c'est moi. Putain, je suis au bout de ma vie, dude. T'imagines même pas là. Tu sais, j'ai voulu tester la méditation accompagnée avec une vidéo en ligne là. Genre un truc bien-être de mes couilles, je sais pas quoi. Ça m'a fait tourner la tête, ça m'a mis trop mal. Putain, ça fait une demi-heure que j'essayais d'essayer de faire la respiration alternée, je sais pas quoi. Moi, ma question à la base, c'était juste allô quoi. Mais du coup, j'en ai quand même profité pour lui parler de mon rendez-vous avec je sais plus qui à 19h. Ouais bah c'est pas avec moi que t'as rendez-vous, mais vas-y, passe à la maison, on en parle.